Et bonjour, conditions extrêmes. Je m'appelle Franck Pallas, je suis l'inventeur du Self Defender, objet de survie et de Self Defense, breveté et patenté, que j'ai présenté à Aton, ancien du GIGN. Bonjour à tous. Alors, il m'a été présenté comme un outil de rescue avec le coupe-sangle, le brise-vitre. Et Franck me proposait, me dit voilà, maintenant que tu as ça entre les mains, qu'est-ce que tu peux te proposer en self-défense? Et j'ai un ami qui s'appelle Karine Clémenceau, en fait, décidé de son très naturellement dès qu'on a eu cet objet entre les mains. Et on a proposé ces techniques à Franck qui les a validées. Non seulement je les ai validées, mais en plus aujourd'hui, je propose des techniques pour les civils, mais je suis en plus approché par le law enforcement, la police ici. Façon super simple, c'est celle-là. Ça fait très 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 mal et ça enlève l'appréhension, d'accord? Si ça enlève pas l'appréhension, c'est pas grave, on passe au coudre, on pique, on passe ça à l'intérieur, ça fait très très mal. Donc on a celui-là, toujours en bloquant, je veux pas qu'il rentre à l'intérieur de moi, et si ça suffit pas après celui-là, la pointe est à l'intérieur de moi et ça descend tout seul en plus. On bloque à l'intérieur, on pique, on désengage, uppercut, crochet, pique.